Nîmes, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le troisième trait sur les huit, le troisième trait de l'écriture chinoise. Il s'appelle le trait vertical. On part du haut vers le bas. Alors, comme ceci, il ne veut rien dire, hein, il n'existe pas dans le dictionnaire chinois. Mais il est dans beaucoup de caractères chinois. Je vais vous donner un exemple concret aujourd'hui. J'utilise le trait numéro 2. Qui s'appelle le trait horizontal, et ensuite j'utilise le trait vertical. On dirait le signe plus en mathématiques, pratiquement une croix, sauf qu'une croix ça serait un peu plus long, il faut quand même que ce soit assez égal. Je vous le dis, ça veut dire le chiffre 10. Chiffre 10, je ne vous donne pas la prononciation, mais sachez au moins que ça veut dire 10 en caractère chinois. Et je vous montre même la gestuelle. Si un chinois vous fait ça, ben il vous dit 10, il ne vous dit pas va des rétro satanas. Voilà, donc, comme quoi c'est important au niveau culturel de connaître des fois la gestuelle qui est différente selon les pays. Bien sûr, je ferai plus tard une vidéo sur les chiffres en chinois, leur gestuelle et leur signification. Voilà l'exemple pour le trait vertical et je vous donne rendez-vous pour les autres traits. Notamment le numéro 4, le relevé à droite. Xie xie, zai jian.